Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've seen it all. Just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call, and I'll be over. Bon matin tout le monde, on est vendredi matin. Ce matin, je m'en vais porter Ronix à Saint-Hubert, à l'aéroport de Max Aviation. Il va prendre un vol avec Karine de Voyer Gratitude qui a accepté de le prendre avec elle le temps de son vol. En fait, c'est que ça va le vol de Saint-Hubert à Plattsburgh, c'est une vingtaine de minutes. Ensuite, c'est à peu près 25 minutes de Plattsburgh à Rouses Point, où est-ce que le voilier est. Donc, on va sauver à Ronix de partir avec moi puis de faire 5-6 heures d'avion, d'auto, d'escale, tout ça. Il aime pas vraiment ça être en pet taxi. Puis en même temps, de cette façon-là, je pense que ça va aussi aider David parce que Tig s'ennuie beaucoup, il miaule beaucoup à bord, tout ça. Donc, je pense que si Ronix est avec lui, ça va être un petit peu moins pire, on l'espère. Puis moi, ben je suis de retour sur le voilier dans quelques semaines. David continue les préparatifs, ça avance super bien. La mise à l'eau est prévue pour bientôt. Donc, on se redonne des nouvelles bientôt. À plus tard! Aujourd'hui, c'est une grande journée. On a un autre membre d'équipage qui va venir nous rejoindre. Il y a notre autre chat, Ronix, qui va venir rejoindre son frère à bord. Je voudrais remercier Karine du voilier Gratitude d'avoir accepté de nous l'apporter. C'est très apprécié et ça nous dépend beaucoup. Puis on a hâte que le dernier membre d'équipage vienne nous rejoindre. Ça va être un petit peu plus tard. Faute de circonstances, on n'a pas échoué. Il va rester peut-être encore deux mois et demi avant que la maître de bord vienne nous rejoindre. Pour l'instant, on tient fort. Puis ça va être d'accompagner à bord, ça va être de l'action. C'est pas lui qui va aider le plus, mais ça va être le fun. La famille est quasiment complète. Fait qu'en attendant que mon autre coéquipier arrive, je vais vous montrer le Mantis Anchor Guard que j'ai installé. J'ai pas filmé l'installation. C'est assez simple, dans le fond, on enlève la botte du rouleau, on met le anchor guard à la place, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a besoin d'une botte un demi-pouce plus longue. Puis moi, vu que j'avais de l'usure à l'entrée de la botte, j'ai mis une botte 5-8 à la place. Fait que la botte 5-8, elle a bien rentré d'un côté, de l'autre côté, j'ai percé. Fait que j'ai acheté une botte un demi-pouce plus long. Puis l'installation s'est faite très simple. C'est, moi, j'ai mis du stainless 316, puis que toute la braquette de Mantis est faite avec du stainless 316. J'ai commandé les bottes nécessaires pour ça. Je vais vous montrer ça à l'instant. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'attacher l'ancre quand on fait une traversée ou même quand on navigue, parce qu'il y a tout le temps un risque que ça décroche quand même, que le guindon de l'âge, puis la chaîne s'en va, fait que c'est tout le temps recommandé de l'attacher. Fait que sur l'ancre là, ben, il y a des trous dessus que je peux prendre, je vais attacher, moi je vais le prendre à un mousqueton. Il y en a qui peuvent l'attacher avec une pile qui passe bord en bord, moi ça arrive pas vis-à-vis le trou, puis je vais pas percer un trou dans l'ancre pour mettre une pine, fait que je vais juste l'attacher avec un mousqueton. Regardez ici, il y a un trou exprès, on attache un mousqueton ici, puis après ça on peut l'attacher sur le pont. J'ai aussi reçu une commande, je suis allé à la poste chercher des pièces. J'avais le passe-coque pour le macérateur qui était jammé. Je pense que le bateau fait trop longtemps qu'il était sur le lac, il n'avait jamais été utilisé, fait que ça reste, il est resté fermé trop longtemps. J'ai décidé à ce moment-là
tout bêtement, de le changer au complet. Je ne commençais pas à le lubrifier et à taponner après ça. Non, je vais le changer, on va mettre du neuf. On n'a pas de chance, on s'en va en mer puis on va rester longtemps dans l'eau salée. Fait que je pense que c'est important que toutes les passe-coques, les valves de passe-coques travaillent très bien à ce moment-là. Oh, je veux dire que Ronix va être là dans 5 minutes. On va aller le rejoindre à l'entrée de la gate. J'ai bien hâte de voir comment il va réagir. Puis comme ma mère a dit, j'ai hâte de voir si les deux vont se reconnaître. Mais je pense qu'oui, ils sont parlé une couple de fois sur FaceTime. Fait que je pense pas qu'ils s'aient oublié entre eux autres. Allô? L'arrivée! L'arrivée! Oh! Oh! C'est il commence. Il était super gentil. Hey, je vous remercie, hein, je vous ai été redevable. Ah non, non, tu me dois rien, ça me fait plaisir. Hey, moi, ça me faisait plaisir d'avoir quelqu'un. C'est lui le plus difficile un peu, fait qu'il était à se transporter. Oh, dans ce transport. Ouais, c'est lui qui est. Parce qu'il était vraiment calme. Puis là, tu sais, pendant le vol, au début, il devait les mettre sur nous, mais là, il voulait plus. C'est plus comme ça. Fait que là, il était comme à côté de moi parce que j'avais la soute en arrière. Ouais, pauvre petit. Tu sais, ça a quand même brassé un peu pendant le vol, fait que là, il était... C'est bruyant, l'avion, oui, c'est très bruyant, là. Fait que, OK. Si, bébé, t'es avec ton papa. Pauvre petit chaton. Oh, j'avais pas d'avion, là, c'est petit. Ouais, mais c'est un peu plus tard, les choses. Sauf que... L'autre, il y aura plus de batterie. Ah, ouais, il était déjà venu, là. Il y a des places qui se cachaient, là. Il t'a retourné à la même place, il t'a fait la même place. Dans un arbre, t'es jeune, t'es pas là, dans le bas. OK. Hey, il va te faire pas venir, on va se comprendre. Ouais, mais on se prendrait, ouais. Ah, non! Très gros, un ride de one wheel. On va voir ton frère. Parti! Équipage presque complet. Il manque le morceau de robot le plus important. Ça va s'en venir. Ça va être un challenge qu'on n'a pas demandé, mais on va avoir à traverser. On va en sortir plus fort. Grande rencontre. Ça va bien, aucun problème.